tes cœurs puissants, aux pieuses harmonies, ou dans un hymne ravissant, mille voix sont unies. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, que la paix et la grâce, bon Dieu, capable avec nous tous. Bon Dieu, bénis-nous. M'a invité nous, capable d'ouvrir Bibou ensemble avec nous. Dans Luc chapitre 24, versets 50 à 53. Après ça, nous allons aller dans Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 9 à 11. Luc 24, verset 50 à 53. Il les conduisit jusque vers Béthanie et ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 9, apprêté dans verset 11. Après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'il le regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'il s'en allait, voici des hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent : Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière vers que vous l'avez vu allant au ciel. Parole du Seigneur. Bon Dieu, bénis-nous.
nous souhaitons que l'atmosphère, la température, ça qui s'est élevée, pas détourner attention ou sous le message de la parole de Dieu. Et nous allons consacrer quelques minutes, nous ne parlons pas trop long, à la vérité sur un message qui t'a de gagner 8 points pour nous ensemble. Mais dans la situation nous, et matin là, nous seulement ouais 2 points et demi. 2 points et demi, à vous ça m'a voué nous aller. Mais juste avant, quittez-moi et permettez-moi de faire ça. Remercier Pasteur Guy, notre bon ami, le bon conseiller, c'est un meilleur conseiller de Blessop, de l'église là. M'apprendre ça depuis avant de venir. Et pendant que moi là encore, moi vive ça, moi connais ça. Et moi remercier Guy, Pasteur Guy, pour tant qu'il t'a consacré, il t'a mis disponible, disposé. Découvrir avec qui enthousiasme, le sentiment d'enthousiasme que la caille Pasteur Guy était allé en Haïti, il est retourné pour le venir prêcher pour nous belle semaine de conférence. Qui t'aime dire, moi-même avec Pasteur Guy, nous puiser dans la même source. Elle me dit, nous puiser dans la même source, nous fait études théologiques, nous dans le même séminaire. Lorsque Pasteur Guy campait devant, pourquoi tu as une place, moi? C'est tout étudiant, tout séminaire lettre qui t'est campé là, pendant toute semaine, sept messages. Et mon cher, où te représentez nous valablement. Et c'est ça qui vient la caille, nous, lorsque autant de yon paraît yon côté. Et puis, on va enseigner la parole de Dieu, laisse à bon nous dire lui bon. Et s'il va bon tout, ou mettre tes tonnes. Yon ou bien l'autre après rire le bout dit mon chat te dit tel bagage quand on jeune. Est-ce que c'est ça que tu dis ou dans séminaire? Dans séminaire à l'étude, Pasteur Guy c'est yon dans classe là qui était animé classe là en pile. son qui très intelligent tout. C'est pour me dire ça qui est vrai. C'est nèg lui même avec Nelson c'est au cap faire plus gros note. Avec qui? On fait Pasteur Nelson. Plus gros note, moi me battre comme faire gros note. Ça va intelligent en pile. C'est une séance qui est la séance expositoire. Lorsqu'on a un étudiant qui est pour exposer, lorsqu'on connaît Pasteur Guy Poil Chita devant, avec plume ni nan men, papier nan men, pour le corriger ou l'aura exposé, ah mon cher, ou pas de sommeil pour vous. Faut vous préparer, faut vous étudier. C'est ça que fait tout étudiant, qui prend leçon pour acheter un pile livre. Parce que vous connaissez au Gondek tankou Pasteur Guy, Pasteur Michelet, Pasteur Bastien et tant d'autres qui pourraient le corriger. Mon cher Pasteur Guy, good job. Donc, nous battons un gros bravo, merci. Pour nous capables d'apprécier le courage, le talent, la bonne disposition que bon Dieu lui a mis la caille, Pasteur Guy. Pasteur Guy est pour retourner en Haïti. Mon cher, je vais saluer tout le monde pour moi-même, plus particulièrement les collègues, lorsque vous rencontrez yo. Les bienfaits de l'ascension de Jésus. Les bienfaits de l'ascension de Jésus. C'est ça que nous allons parler. Matin, je vous dis, c'est ascension. The benefits of ascension of Jesus. Par contre, c'est bien dit, côté maman. L'autre, c'est bien dit. Yes, I'm good. Je suis content. Les bienfaits de l'ascension de Jésus. Comment ça va? Nous connaissons Jésus-Christ est venu sur terre là pour exercer ministère li, selon l'ordre papa bon Dieu. Après que bon Dieu finit constater l'humanité déchue, ce monde de corruption, ce monde perdu, après l'implication du péché, bon Dieu te voit la nécessité pour être capable de restaurer le monde dans le livre de Jésus-Christ. Jésus-Christ venu, il a enseigné l'évangile, il a guéri, malade, il a fait un pile miracle. Il a souffri, il a gagné pour mourir également. Il était mort. Nous constatons que il était mort, réellement il était mort. Il est enterré. Comme ça a été écrit dans l'écriture,
il est ressuscité le troisième jour. Après sa résurrection, Jésus-Christ a pu permettre à l'autre monde de les disciples de communier avec un Jésus. Jésus-Christ enseigné. Et puis le moment est arrivé pour Jésus-Christ de monter dans le ciel 40 jours après sa résurrection. Jésus-Christ corporellement séparé de nous-mêmes. Il est séparé des disciples pour être capable de monter dans le ciel vers sa destinée. Mais la question que je t'avais posée matin, je t'avais même posée, il permet à ce que chacun de nous soit capable de réfléchir et bien, nous avons un élément de réponse. En quoi nous est-il utile de savoir cela? Connaître que Jésus-Christ monté dans le ciel, ça, ça utile nous. À qui ça? Ça servit ou même qui dit que c'est chrétien. Connaître que Jésus-Christ qui est venu souffrir dans la place où, qui est venu mourir dans la place où, qui connaît toute injure dans la place où, humilié dans la place où, lui mourir, lui enterrer, lui ressusciter, lui monter dans le ciel, à qui ça, ça servit vous? Ça est utile pour vous-même. Réfléchissez sur ça. Oui, nous sommes capables de connaître que Christ monte dans le ciel, c'est bien. Et la Bible dit, nous croyons, nous acceptons. Mais à quoi cela nous avance-t-il de savoir que Christ monte dans le ciel? Ou dis-moi ça, quel avantage, quel bienfait que nous sommes capables de tirer dans monter Christ au ciel? Qui ça, ascension lui-même, l'hypothèse pour nous comme chrétiens? Maintenant, mais nous garder aller dans Luc côté nous saute lire réaction disciples. Christ avec disciples, bons amis disciples, bons compagnons disciples, Christ a monté dans le ciel, les séparé avec disciples. Si vous tapez suivre avec nous lecture nous saute faire dans Luc. Luc 24 verset 50 à 53, moi t'a remé un souligner réaction disciples, Jésus-Christ, lorsque Jésus-Christ monte dans le ciel. Texte là dit nous, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem, à savoir les disciples, avec une grande joie. Une grande joie. L'après, la séparation d'un ami avec des autres amis, l'autre a manifesté une grande joie. N'est-ce pas étonnant? Moi, je trouvais ça absurde. Pour ces bons amis, moi, ces bons amis, où, moi, m'arrive pour nous séparer. Séparer, complètement séparer de corps. Et pour content? N'est-ce pas, nous sommes capables de dire un sentiment d'hypocrisie qui dégageait dans le mi-temps? Disciples vis-à-vis des relations que vous avez avec Jésus-Christ. Oh, Jésus-Christ allait. Il allait, il séparait de vous physiquement, corporellement. Et puis, disciples contents. Moi, j'ai gagné deux messieurs dames qui étaient remis pour vous marier. Je ne peux pas dire non, vous n'êtes pas là. Vous n'êtes pas dans l'assemblée. Le monsieur a vécu ici, elle continue à vivre ici aux États-Unis. Madame n'a pas de quoi, le ménage là, pour de quoi entrer, madame n'a pas de quoi entrer. Et pour te marier, vous allez marier en Haïti. Vous faites premier petit tour en Haïti. Nous étions petits mouns à l'époque. Les messieurs sont sortis ici, aux États-Unis, et elles passent un séjour en Haïti, soit une semaine, deux semaines. Le moment arrivé pour retourner la Kaili. Mon cher, dame n'a inconsolable. Inconsolable. Vous songez ça, ça dit l'être. C'est pas ou non? Damna inconsolable. Parfois, c'est dans cachotterie. C'est pas ou non, frère? Dans cachotterie, pour messieurs aller. Pour qui ça?
relation tellement intime, gen yon séparation qui pour al fait, eh bien, pour des moun yo, yo inconsolable. Mais pour les disciples, Jésus qui c'est bon ami yo, bon compagnon yo, alors qu'elle pour al séparer avec yo, ça arrive pour yo, yo content et puis yo adoré Jésus-Christ avec une grande joie. Comment ça yo, lorsque nous gagnons un ami intime qui quitte nous, séparation ça d'abord li konn pote tristesse à la caille nous. Pour Jésus-Christ, li aller vers le ciel. Le ciel c'est loin, très loin de nous, très loin des disciples. Alors que yo content, yo manifester yo grande joie la caille yo. Moi même avec vous nous sur la terre aux prises des luttes, nous sur la terre aux prises de toute tracade, de toute situation difficile qui entourait nous. Notre Sauveur, lui, il est dans un autre monde. Comment se fait-il? Il vit loin de nos souffrances. Et puis pour nous, sommes de la joie. Loin de nous. Alors que nous n'avons pas patogé de la souffrance, patogé de la maladie, patogé dans tout tracade dans le monde. Ça. Et puis pour nous faire que nous content. Nous trouvons que c'est absurde pour les disciples. Est-ce que nous sommes capables d'afficher le même comportement matin avec les disciples lorsque nous connaissons Jésus-Christ par là, corporellement, physiquement avec nous, les montées dans le ciel? Est-ce que ça doit faire que nous content? Ah, nous ne sommes pas contents. Nous ne sommes pas réagir, même gens avec les disciples. Je vais me poser des questions encore. Par le fait que nous, aujourd'hui, nous avons partagé dans toute situation de souffrance, nous, tout ça, monde, ça, a connu comme déception. Nous connaissons qui ça, Christ, utile pour nous, qui ça, le vaut pour nous, qui ça, le fait, dans exercer ministère sur la terre. Qu'on y a là, lui séparer de nous physiquement, lui aller très loin de nous, lui quitter nous dans la misère, ça, dans la souffrance, ça, dans la maladie, ça, dans l'humiliation, ça. Est-ce que nous devons faire que nous comptons pour ça? Ah, non, c'est qui dit non. Quant à moi-même, moi, je dois accrocher à comportement disciple. Lorsque je connais Jésus-Christ physiquement, il parle là avec moi, il monte dans le ciel. Oui, moi, je dois adorer pour ça et moi, je dois faire que moi content. Et pour toute raison qui fait moi-même matin, moi, je dois faire que moi content dans le grand jour de la sortie. Côté que Jésus-Christ quitte terre, il monte dans le ciel vers le trône de Dieu. Nous avons trois grands avantages maintenant pour les considérer ensemble avec nous dans le grand jour de l'ascension. Ça. Trois grands avantages ou bienfaits de l'ascension de Jésus. Avantage numéro un qui fait que moins content maintenant, lorsque je connais Christ, qui a quitté terre, ça, lui monter dans le ciel, c'est que au ciel, nous avons notre avocat. Amen. Au ciel, nous avons notre avocat. Vous connaissez bien qui rôle yon avocat. Vous connaissez bien qui fonctionne yon avocat. Yon avocat, c'est yon qui l'a pour plaider cause. Yon avocat, c'est yon qui l'a pour défendre cause. Yon avocat, c'est yon qui l'a pour représenter ou, pour passer ou pas derrière, pour parler pour ou. Dans ciel-là, nous avons un monde pour parler pour nous, lire le Jésus-Christ de Nazareth. Hein. Ça doit pousser ou, à manifester la joie, la caillou, parce que par devant le trône de Dieu, Jésus-Christ intercède. Oui, Jésus est monté au ciel pour être notre avocat devant Dieu. Autrement dit, nous sommes capables de dire dans un moment ça, Jésus-Christ a plaidé pour nous, a plaidé cause nous. Jésus-Christ a intercédé pour nous. Jésus-Christ a prié pour nous chaque jour parce qu'il est notre avocat. Lorsque nous lisons dans 1 Jean chapitre 2, verset 1er, il est écrit: si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Jésus-Christ le juste, il est notre avocat devant le Père en haut dans le ciel là. Pour que ça mieux péché nous yo, péché pas ou,
péché tout le monde. Ou qu'on comme présenter t'as un écran, t'as capable de dire t'as une barrière qui empêchait moi-même ensemble avec ou capable parler avec mon Dieu. Péché nous yo constitue une barrière pour nous pas vivre en communion avec bon Dieu. Mais le Christ, notre avocat au ciel, l'a plaidé en faveur nous, l'a parlé pour nous devant papa, devant avec Christ, avec avocat ça, pas de barrière possible. Christ, notre avocat, l'écrase toute barrière qui permet que moi-même ensemble avec vous, grâce à avocat ça, nous gagnions parfaite communion avec bon Dieu papa qui est dans le ciel là. Ascension ça, l'hypothèse bénéfice ça pour nous, l'hypothèse avantage ça pour nous. Nous devons faire cœur nous content. Nous devons adorer, papa. Bon Dieu, nous devons adorer Jésus-Christ pour miracle ça qui opère dans la ville. Lorsque le Christ est arrivé en haut dans ce ciel-là, bon côté, papa, bon Dieu, 40 jours après, 40 jours après sa résurrection, papa, bon Dieu, en haut dans ce ciel-là, il a accueilli Jésus-Christ favorablement. Pour ça, c'est parce que papa, mon Dieu, tu es pleinement satisfait avec le travail que Jésus-Christ est venu réaliser sur la terre. Pour que ça? Pour notre salut. Papa content? Pleinement il est satisfait et il accueillir Jésus-Christ dans le ciel-là. Pour y aller, Jésus-Christ a fait papa songer lui-même. Il était versé sans lit pour pécher nous. Et dans lit, en Jésus-Christ, nous sommes justifiés. En Jésus-Christ, nous sommes justifiés. En Jésus-Christ, nous sommes libres. Rien n'est pas capable de condamner nous. Car l'apôtre Paul écrit dans Romains chapitre 8, verset 33 à 34. Qui accusera les élus de Dieu? Dieu est celui qui justifie. Qui les condamnera? Le Christ est celui qui est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. Par le fait que l'avocat ça a intercédé pour nous, personne n'est pas capable d'accuser nous. Edmien n'est pas capable d'accuser nous. Satan n'est pas capable d'accuser nous. Parce que Jésus-Christ l'a ressuscité, l'a enlevé et l'a intercédé pour nous-mêmes. Qui accusera? Les élus de Dieu. Il y a des gens qui sont capables d'accuser vous. Lorsque vous connaissez que Christ mourit dans la place où. Il enterre, il ressuscite, puis il monte dans le ciel. La défendre cause où. Ou c'est monde qui est juste. Ou justifié. Amen. Ou justifié. Parce que Christ monte dans le ciel là. Quel avantage pour nous? Est-ce que pas gagnons dans nous qui ont trouvé ça parfois paraît difficile pour prier? Vous priez lorsque nous entourés par les péchés difficiles pour nous prier à cause des péchés nous. Ça pas connu vous. Parfois vous voulez prier mais on pas qu'à prier. Ou un bagage qui a passé dans la vie ou un péché. Il fait qu'on pas prier, pas qu'à prier. Ou bête bouche mon pas prier. Ou qu'à genou mon pas prier. Ou qu'à faire mes yeux mon pas prier. Péché environné ou li maré ou bouchou, ou c'est tout, pas de contact avec mon Dieu. Difficile. Ça va qu'on y va où? Moi, ça arrive. Ou qu'on voulait prier ou pas qu'à prier? Non, bagaille. Il fait que vous pas capable d'entrer en communion, en contact direct avec papa. Peut-être que ça n'a pas qu'on y va où? Mais moi-même, Abdou, ça qu'on y va où? On paraît difficile, très difficile. Pour nous prier. Mais la présence de Jésus au ciel signifie que nous sommes libres, nous avons libre accès à Dieu en tout temps. En tout temps, à tout moment, nous avons libre accès pour capable de prier mon Dieu. La montée de Jésus au ciel nous donne la liberté de prier en toute confiance. C'est vrai que nous sommes capables
péché d'une façon ou d'une autre ou capable de tomber. Pendant qu'on a vécu ici, ça, ou capable de toujours tomber. Pas du fort assez. Ou pas qu'à tomber, non. Ou qu'à toujours tomber. On va pas encourager, on va pas entraîner pour tomber. On va toujours tomber. Et parfois, là, on va encore tomber. Et pas mettre des têtes ou pas le faire qu'on tombe. C'est ça qui rend nous faibles, non. Et pas battre poitrine pour dire ou fort ou pas tomber, non. Et qui t'aime dire, monde qui fort, c'est pas celui-là qui va jamais tomber. Moun ki fort, c'est celui-là lorsqu'elle tombe, il va décider de rester à terre. Il dit, faut que je me lève. Il va demander à l'avocat, bam le bois pour me capable de lever, pour me continuer à faire tout ça. Notre avocat, il est là pour capable fortifier nous. Dans le moment de faiblesse, nous, pour nous relever et pour nous rétablir relation nous avec bon Dieu. Jésus-Christ a fait qu'on est pour vous-même. Il monte dans le ciel. Ascension, ça a l'hypothé un grand avantage pour moi-même, ensemble avec vous-même. Quand nous avons de la difficulté à prier, comment sommes-nous? Rappelons-nous au ciel, avocat pas nous, la prière pour nous. Et prier à faire pour nous, c'est permettre à ce que relation nous avec bon Dieu les rétablir. Et ça qui est Bible là, avocat ça est de même nature que nous. Il comprend nous. Il est capable de compatir à problème nous, à souffrance nous. Avocat ça, il te fait expérience dans le monde ça. Il te traversé les combats et des combats plus grands que ça aujourd'hui. Moi-même, ensemble avec vous, n'a subi. Avocat mieux comprend nous. C'est ça qui fait qu'il faut travail colossal. Pas le fait qu'il comprend nous. Li connaît la vie ou li connaît sa cap traversé ou li ka représenter ou valablement devant papa. Avocat ici ba yo. Là on mande un nèg pour la défendre kozou. Parfois il mettait ça qui va ça. Et pas vrai. Il dit ça qui va ça. Parce que motif là c'est faire l'argent. Et pour faire l'argent, vous comprenez? Faut le présenter dossier là bien. Mon cher outil et mais quand bagaille là il dit non. Je ne dis pas comme ça, non. Je arrange comme ça pour dossier capable d'aller plus bien. Non, mais Christ n'est pas comme ça. Avocat pas nous, il n'est pas comme ça. Il était là ensemble avec nous. Il comprend la situation. Il comprend la douleur. Il traverse le combat. Des combats plus forts, plus difficiles que nous. Ça fait que l'aile représente nous devant papa. Il représente nous valablement. Au ciel, nous avons notre avocat. Et c'est ça. Jour ascension, ça, l'hypothé pour nous. Est-ce que ça n'a pas un grand bénéfice pour vous-même, pour Maxime yo? Au ciel, nous avons notre avocat. Avantage numéro 2. Bienfait numéro 2, ascension empotée. C'est qu'au ciel, nous avons notre gage. Dis ça, gage. Vous connaissez ça, gage, j'avais dit? Qui est capable d'expliquer, de façon pas où? Qui ça, gage? G-A-G-E. Ok, va m'expliquer. On va passer au doigt fond coup. On va attendre l'autre monde. Prête au micro. Parce qu'il y a eu mon prêcher tout. Il a parlé de gage. Gage là sont à valoir. Ils ont déposit que vous faites sur un bagage ou à acheter. Ils ont maison à acheter. Ils ont déposit sur les maisons. Ça, c'est pour vous. Effectivement. Exactement. Au ciel, nous avons notre gage. T'as coupé ça, dit, gage, c'est un bagage que vous remettez pour garantir une dette que vous-même vous gagnez. Vous gagnez un bagage là, vous gagnez une dette là pour payer, mais vous gagnez un bagage qui a valoir, qui vaut l'argent de dette là, ou déposez-le, ou baillez-le comme garantie. Dans le ciel là, nous déposons un bagage, un objet, un monde, un avocat, un gage qui c'est Jésus-Christ de Nazareth. Au ciel là, nous avons notre gage. C'est ça ascension ça, c'est deuxième bienfait ça, deuxième avantage ça. Ascension de Jésus-Christ, il est porté pour nous-mêmes.
Maintenant, frère Samuel, que Jésus montait au ciel, il est à la droite du Père. Pendant à la droite du Père, c'est que lui garantit place nous tous. Place nous garantie au ciel à cause de la présence de Jésus-Christ. Il est notre gage, notre garantie pour que nous-mêmes aussi, un jour, nous ayons espérance nous pour aller dans le ciel là. Amen. Nous avons espérance, nous pour aller dans le ciel là, parce que objet précieux que nous avons, il est au ciel vers le Père. C'est une garantie. Vous devez faire cœur content, parce qu'au ciel, nous avons notre gage. Même Jean avec lui, nous avons pour nous monter dans le ciel là. Nous avons notre chair au ciel. Parce que Jésus-Christ, il est 100% homme et 100% Dieu. Nous avons, c'est comme si vous avez dit, nous avons notre chair. Nous avons corps, nous. Ben, c'est pas avec corps, ça a été monté, non? Corps a été glorifié. C'est pas avec corps, ça a été monté. Mais on est capable de dire, nous avons notre chair au ciel. Nous avons notre gage. Un gage qui est assuré. Gage, celui qui est la tête de l'église. Et nous, en tant que membres de l'église, là, nous avons espérance que un jour, nous va enlever pour nous aller à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous te rendez compte de ça? Que au ciel, dans ce ciel-là, vous avez une garantie. Amen. Vous avez une garantie. L'objet précieux que nous avons au ciel, c'est Jésus-Christ. Et c'est ça, ascension lui-même, l'hypothèse pour nous-mêmes. Il y a un homme qui est déjà dans le ciel-là, je dis. Il y a un homme qui fait des chairs. Il y a un homme qui fait d'os, des os, même gens avec nous. Et pendant le ciel là, il dit ça, oui, il a préparé une place de choix pour moi-même ensemble avec vous-même. C'est garanti ça que nous gagnons. Il est au ciel là, il prépare pour nous une place de choix. Quand il était sous la terre, il était écrit ça, il était dit ça à disciples. Dans Jean 14, verset 2 à 3. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place. Je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Côté m'vaillé, l'aime va aller dans le ciel là-bas, côté papa. Il est déjà allé. Moi, va préparer une place pour nous. Ma vie retourne. L'aime retourne, ma vie chercher nous. Pour nous aller ensemble avec moi-même. Côté mien, c'est ça, c'est parti ça qui fait que je suis content en pile chaque fois que je lis le texte là. Côté Jésus-Christ fait une promesse, il dit, côté mien. Quand on peut qu'on recevoir dans le pays ou bien la caille, pendant le recevoir, il dépose au nom coin, il a réglé l'occupation. Là, le travail, là, il visite les amis, là, il a notre activité, et puis le dépose au coin, ou pas qu'à faire ni à gauche, ni à droite. Imaginez un homme qui sortait en Haïti, qui rentrait aux États-Unis ici. Ou pas qu'on est États-Unis. Et pour reprendre, on dépose au nom caille. Ou pas qu'on conduit. Bon, pas qu'on côtoie. Ou pas parler anglais. On dépose au nom caille. Et puis chaque matin, on est sorti, il est allé, il est rentré. Chaque soir. Ou pas demander de retourner? Bon, moi, je ne vais pas retourner la caille. J'aime qu'à marcher. J'aime qu'à mener activité pour venir mettre mon coin pour ne pas bouger. Je suis là toujours. Christ m'a garanti. Il dit que ça, la poêle vient chercher. Là, nous va aller dans le ciel. Quand elle va y aller, c'est là que je vais y aller. Lorsque Christ a marché, je marchais ensemble avec lui. Lorsque Christ a chanté, je chantais ensemble avec lui. Lorsque Christ a dansé, je dansais ensemble avec lui. Parce qu'elle fait une promesse, quand elle va y aller, c'est là. Moi-même, je vais aller tout. Quel avantage que l'ascension de Christ lui-même lui porte pour nous matin. Quand Christ y est, il ne peut pas mettre en prison. Il ne peut pas rabaisser. Les papes humiliés, au contraire, ou pour lever, ou marcher, la tête haute en dignité avec Christ. Même Jean-Papa te recevoir, il pourra le recevoir tout. La plus belle question que tu es capable de poser au matin, hein? Est-ce que vous parlez pour faire voyage ça?
oui, nous sommes chantés à la belle gloire marcher à Jésus. C'est vrai, oui. Mais ce n'est pas bon Dieu qui est spiro quand tu dis ça. Nous sommes prévus dans le programme, non? 105 créoles, à la belle gloire marcher à Jésus. C'est ça, ascension emportée pour nous. Et Christ dit nous, côté-le. Est-ce que dans le moment ça, si Christ a descendu qu'on y a la vie de chercher où? Est-ce que vous avez marché avec Christ dans celle-là? Est-ce qu'on a anticipé la marche dans le ciel, le parcours dans le ciel? Est-ce qu'on a anticipé la visite dans le ciel qui est pour le bayou? Accueil dans le ciel qui est pour le bayou? Est-ce qu'on a anticipé ça? Alors, est-ce qu'on se chante à la belle gloire? Marcher avec Jésus. C'est ça qui nous apporte l'ascension de Christ comme deuxième avantage. C'est un encouragement pour nous-mêmes qui vivons ici-bas dans cette situation difficile, la vie portée pour nous. C'est ça qui fait nous ne devons pas être nos problèmes. Nous ne devons pas abandonner. Nous ne devons pas courir. Nous ne devons pas plaindre. Parfois, nous plaignons trop. Nous, à côté, nous causons nous trop. Si tu racontes à un monde qui a prié pour vous, qui a aidé à prier pour vous, causer vous, tu es capable de comprendre ça. Mais parfois, tu racontes, tu plains avec même païen. Même monde qui ne connaît bon Dieu, monde qui n'a pas d'espérance ciel. Et pour dire qu'il y a un gage dans ce ciel-là. Au milieu des grandes difficultés, il faut que nous fait que nous comptons parce que nous avons une garantie dans ce ciel-là, que c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il fait nous promettre qu'il vient chercher nous. Encouragez que vous. Maladie est venue, fait que vous content. Vous ne comprenez pas, fait que vous content. Vous êtes humilié, fait que vous content. Vous n'avez pas de travail, fait que vous content. Parce que garantie vous la lirez. Jésus-Christ qui est lié, lié en haut dans ciel là, et il a cassé rendez-vous ensemble avec vous-même, là, vient chercher vous. C'est un grand avantage. Un grand avantage. Et nous attendons avec espérance. Joue ça, pendant que le regard nous est fixé vers l'avenir. C'est une gloire promise qui est réservée pour nous-mêmes. Une gloire que Jésus-Christ lui-même lui possédait déjà dans son humanité élevée au ciel. Et merci de venir ensemble avec vous-même. Nous allons vivre cette gloire. La montée corporelle de Jésus au ciel, Frère Maxime, était très important pour Jésus-Christ d'abord. D'abord, il était très important pour Jésus-Christ. C'est là qui garantit pour nous aujourd'hui une place alors que les pas partager l'humanité déchue qui n'a vivre aujourd'hui encore avec nous. Sa nature humaine les glorifier, les pas vivre dans un monde corrompu ça encore. Donc en montée est important pour Christ. Il pas vivre maintenant dans un environnement pollué par le péché. Mais maintenant, la vie dans un environnement de pureté céleste et dans la gloire de son Père. D'où l'été important pour Christ pour le monter en haut dans le ciel. Et la réalité glorieuse, ça, l'hypothèse pour nous-mêmes, un grand bienfaire. La chair glorifiée que Jésus-Christ lui possédait, Frère Maxime, et que nous-mêmes, tous, nous espérons pour nous recevoir les pas sur la terre. Nous avons notre chair au ciel. Nous avons notre gage au ciel. Nous avons notre avantage au ciel. L'espérance de notre gloire future lui plus affermi foi nous. Nous avons plus espérance que nous-mêmes aussi nous pourrons glorifier par les pères lorsque Jésus-Christ vient pour venir recevoir nous. La présence des glorieuses de notre Sauveur au ciel l'est assurée pour nous-mêmes. La gloire. Et nous-mêmes, un jour, espérance que nous-mêmes, un jour, nous allons monter dans le ciel-là. Il est le gage au ciel de notre propre glorification. Selon ça que Paul écrit dans Philippiens 3, verset 20 à 21. Laquelle lecture que nous ne pouvons pas lire, mais on va consulter dans la Bible. Quel avantage nous procure l'ascension de Jésus-Christ? Christ montant dans le ciel-là, c'est un
avantage pour nous-mêmes, l'hypothé, l'équité, un gros bienfait pour nous-mêmes. Bienfait numéro un, c'est que dans celle-là, nous avons un avocat. Dans celle-là, nous avons un gage, une garantie, un objet précieux. Et troisième bagage, nous avons dit, nous ne pouvons pas tout, je dis, étant donné après l'ascension, c'est qui ça qui vient de l'église? Après l'ascension de l'église, c'est qui ça qui vient? La Pentecôte. Et dimanche, si Dieu veut, nous allons parler sur la Pentecôte, hein, mais en attendant, on nous parler des gages que nous avons sur la terre. Non seulement nous avons un gage dans le ciel, mais la montée de Jésus au ciel nous procure un gage sur la terre. Nous déjà défini gage. Nous déjà comprendre qui ça gage veut dire. Nous non seulement gagnons un gage dans le ciel là, mais nous gagnons un gage sur la terre. Quittez-moi aller bien vite, ça me pas arrêter sur point ça. Dimanche devait nous va parler plus sur le Saint-Esprit. Sur la terre, nous avons notre gage sur la terre. Son ascension procure un troisième grand avantage, alors que nous ne pouvons pas louer tout. Ça nous a loué la donne. Et enfin, nous ici-bas, nous recevons en retour son esprit. Et Christ a déjà fait nous promettre ça. Lorsqu'il va monter, il ne peut pas monter pour quitter nous orphelins. Il ne peut pas aller pour quitter nous seuls. La voyez pour nous un consolateur qui est le Saint-Esprit. L'y aller, mais le voyez pour nous le Saint-Esprit. Si Jésus-Christ pas quitté terre, il pas t'a voyé le Saint-Esprit pour nous. Il faut qu'elle t'ait monté aller dans le ciel là pour qu'elle voyait pour nous descendre sur nous le Saint-Esprit. Et Christ, depuis lorsqu'elle était sur la terre, il te fait déclaration ça à disciple dans Jean chapitre 16 verset 7 mais qui ça Jésus-Christ te dit il est avantageux pour vous que je parte car si je ne pars pas le consolateur ne viendra pas vers vous mais si je m'en vais je vous l'enverrai. C'est Christ qui dit ça, c'est pas moi-même. Le plus avantageux pour moi-même ensemble avec vous que Christ qui te ça pour aller dans le ciel là. Lorsqu'elle y allait, la voyait consolateur là pour nous, le Dieu en nous. Je sais que nous va parler de la présence de Dieu au milieu de ses enfants. Autrefois, il était question de Dieu pour nous. Après, avec la présence de Jésus-Christ sur la terre, il était question de Dieu avec nous, Emmanuel. Maintenant, après la montée de Jésus-Christ, il est question de Dieu en nous. Le Dieu n'est pas à côté de nous maintenant. Le Dieu est en nous. La présence du Saint-Esprit de Dieu, c'est dans nous lié, dans la vie nous lié. Il pénètre toute existence nous. C'est peut-être ça Jésus-Christ a dit, le plus avantageux pour nous-mêmes que moi aller. Lorsque les disciples ont trouvé dans l'abattement, dans la souffrance, au courant, dans plein, Christ dit, mais c'est, faut que moi aller. Et ça porte plus grand avantage pour nous. Et si je ne pas aller, le consolateur n'est pas venu. Il faut que moi aller pour le consolateur, là, lui-même, lui venir. Le Christ n'est pas avec nous, Frère Maxime, physiquement. Mais nous ne sommes pas pauvres pour autant. Nous ne sommes pas orphelins pour autant. Nous avons en nous la présence du Saint-Esprit. Et nous sommes capables de dire nous sommes plus riches qu'avant l'ascension de Jésus-Christ. Christ est bon côté nous, il était avec nous. Mais maintenant, la présence de Dieu, la présence du Christ en tant que Dieu, il est dans nous, il est dans la vie de nous. Ça, c'est un grand avantage. Nous devons faire que nous content pour ça. Maintenant, qu'il est au ciel de son humanité, il nous envoie le Saint-Esprit de Dieu qui est là pour guider nous, qui est là pour orienter nous, qui est là pour conseiller nous. Et en vérité, sans la présence du Saint-Esprit dans notre vie, la vie nous est déjà anéantie. Nous t'es déjà fait fiasco dans la route de la vie déjà.
Parfois, lorsque pied nous pourra le tomber, pourra le frapper, lorsque nous pourra le trébucher, nous gagnons le Saint-Esprit de Dieu qui est là pour capable de nous boussole. Pour dire, attention, voici la vraie chemin, la vraie route, hein, le vrai chemin. La présence hein, du Saint-Esprit, c'est un gage que montée de Jésus-Christ dans le ciel, l'hypothèse pour nous-mêmes. Le Saint-Esprit, il est là pour nous consoler. Le Saint-Esprit de Dieu, il est là dans notre vie pour ouvrir notre intelligence, notre compréhension, lorsque vous écoutez les messages de la parole de Dieu, pour non seulement entendre, mais pour comprendre, pour appliquer dans la vie. La chair n'est pas capable de faire ça. Non, la chair n'est pas capable de faire ça. Mais le Saint-Esprit de Dieu. Nous avons posé la question, comment je dis, après que Christ monte dans ce ciel-là, comment recevoir le Saint-Esprit de Dieu dans la vie? Et avant que Christ est monté, dans le premier verset 8, il dit à disciples, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Où ça? À Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Oh, nous connaissons le verset bien, mais comment recevoir le Saint-Esprit de Dieu dans la vie? Tout le monde connaît le verset, tout le monde connaît. Mais comment recevoir, gage ça? Comment vivre avec gage ça, avec garantie ça? Comment? Est-ce qu'il fait travail, livre de fait, dans la vie? Est-ce qu'on ouvre le cœur réellement? Est-ce qu'il leur parler à conscience ou non seulement attendre, mais ou obéir à ça, le Dieu? Aujourd'hui, c'est l'ascension de Jésus-Christ. C'est par raison, malgré nous sommes capables de considérer Christ comme bon compagnon, nous. C'est vrai, nous ne pouvons pas vivre dans l'époque ça. Bon ami, nous. Bon collègue, nous. Bon conseiller, nous. Il séparer de nous. De monter dans le ciel. Un mari capable de séparer de vous, vous trouvez-vous dans la tristesse. Un ami capable de séparer de vous-même. Ou trouvez-vous dans la tristesse. Hein? Ou capable de séparer de yon profession, ou trouvez-vous dans la tristesse. Hein? Ou capable de perdre yon membre, yon partie dans le corps, ou trouvez-vous dans mou plongé dans l'abattement, mou capable de comprendre ça. Mais lorsque vous connaissez Christ physiquement, corporellement, li séparer de nous, li quitter terre, ça, li monter dans le ciel là, pas attristé, mais faire cœur content. Pour qui sont de faire cœur content? Parce que au ciel, maintenant, nous avons un avocat. Si sur la terre, nous besoin de gros pour payer l'autre avocat dans la réalité qui n'est pas capable de faire rien pour nous, mais au ciel, nous avons notre avocat qui parle pour nous, qui intercède pour nous, qui défend nos causes, qui prie pour nous. Au ciel, nous avons un avocat. On nous dit alléluia. Alléluia au ciel. Nous avons un avocat. Au ciel, nous avons notre gage. Gage qui est ce que nous avons garanti que un jour, nous parlons dans le ciel là tant que Christ dit. Mais après, tout est venu chercher nous. Nous préparez-nous. Est-ce que vous préparez pour voir ça? Il est la fête même. Je finis, oui. Qui est la fête? Je vais conclure le message là avec question ça. Oui, au ciel, nous avons notre avocat. Oui, au ciel, nous avons notre gage. Je vais parler sur cet esprit, je vais parler sur le dimanche de vie. Nous parlons de voyage, la rendez-vous. Qui est la fête? Vous dites, vous faites que vous êtes content, ascension pour la joie pour vous-même. Parce que dans celle-là, vous avez une garantie. Vous avez une garantie que vous pourrez vivre la félicité éternelle avec Jésus-Christ. La vie de chercher. Vous préparez? Combien de gens préparent pour voir ça? Combien de malades qui sont déjà arrangés? Est-ce que les malades sont arrangés déjà? Est-ce que vous checkez toutes les bagailles pour embarquer, pour voyager ça? Est-ce que vous connaissez qui est la fête? Est-ce que vous connaissez comment la fête? Hein? Dans quelle façon, dans quelle manière qu'elle a fait, qui joue, dans quelle occasion qu'elle a fait, non, moi, je ne connais pas. Je n'ai pas de réponse là. La Bible n'a pas dit moi. Même à ta Jésus-Christ, lorsqu'il était sur la terre, en tant qu'homme, il n'a pas de réponse là. Il te dit, il n'a pas connaît qui joue ni l'heure. Seul papa qui connaît. Est-ce que vous-même, vous ne pouvez pas faire ça? Et ce n'est pas le fait que vous ne connaissez pas qui le voyage a fait. Vous devez préparer chaque jour.
Préparer chaque jour, ça veut dire tout ça qu'on fait dans la vie courante, hein, on fait en guise de préparation, en guise d'exercice, hein, en guise de répétition pour le monde qui peut aller à la rencontre de Jésus-Christ. Là, m'a parlé avec précaution, avec prudence, hein, parce que m'a fait exercice, hein, pour moi aller rencontrer avec un Jésus-Christ. Là, m'a fait blague avec Zamimio, m'a fait blague avec précaution, avec prudence, hein, parce que moi-même, blague ça, c'est répétition, c'est exercice, hein, m'a fait pour moi aller à la rencontre, hein, de Jésus-Christ. Là, m'a sorti avec prudence, moi pour pas diriger pas moi n'importe qui côté, parce que pas ma faire c'est exercice, c'est entraînement ma faire pour lorsque m'a marché avec Jésus-Christ pour me piper dans que jamais. Est-ce qu'on prépare ou de la sorte pour voyager ça? Je dois faire ça chaque jour parce que moi pas connais qui joue. C'est un grand avantage qui est ascension pour nous-mêmes. Dans celle-là, nous avons un avocat. Dans celle-là, nous gagnons un gage. Et nous gagnons garantie que place nous assurer. Et sur la terre, nous avons un gage. De cet Esprit de Dieu promis par Jésus-Christ. Il est maintenant en nous. L'a conseillé nous. L'a fortifié nous. L'a encouragé nous dans le moment difficile. Dans le moment de lutte, dans le moment côté nous qu'on est venu abandonner grâce à la présence de cet Esprit de Dieu dans notre vie. Parce que nous voulons tomber, nous reprendre course. Papa, merci pour la puissance que vous gagnez. Merci pour la vie que vous bénissez en Jésus-Christ. Ce n'était pas amour que vous gagnez pour l'humanité lorsque le péché l'était prend place, l'était coupé tout contact, toute relation nous avec nous-mêmes. Par amour, vous avez fait provision pour être capable de sauver nous, pour dévoyer Jésus-Christ. Il était venu, Seigneur, l'exercer ministère lui. À notre place, les souffrir, les connaître toute injure, toute humiliation. Les connaître la mort, les était enterré. Tant que ça a été écrit dans la Bible, il était ressuscité le troisième jour. Après 40 jours de sa résurrection, il était monté vers le ciel, bon côté par où. Et maintenant, nous connaissons avec assurance qu'il est là pour défendre cause nous. Merci pour ces dons si précieux. Merci parce que vers ton trône, avec la présence de Jésus-Christ, nous avons notre gage. Et merci également pour la descente du Saint-Esprit en nous, qui travaille, qui est là pour nous encourager, pour nous fortifier. Merci pour le message de ta parole. Aide-nous, Seigneur, à ruminer parole ça dans la vie de nous chaque jour. Pour nous capables de pratiquer. Et fait entraînement jusqu'au retour glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci pour ta parole. Nous t'en prions au nom de Jésus, avec le pardon de nos péchés. Amen. Bon Dieu béni. Lumière du monde.
Jésus lui-même sans elle, tout n'est que ténèbres. Ta parole est vivante, lumière du monde. C'est Jésus lui-même sans elle, tout n'est que ténèbres. Cette parole était là au commencement, elle était avec Dieu. Bien sûr, elle était Dieu, elle était la vie, la lumière du monde, cette lumière. Oh, 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 oh.